Ça a commencé il y a un mois, quand j'ai eu 10 ans. Depuis, j'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. L'idée que tous les animaux et tous les êtres humains vont, un jour ou l'autre, finir par mourir. Mon papa, ma maman, mon frère Joe, et moi aussi. Sam! Hé, Sam! Tu viens jouer? Attends! Attention! C'est pas vrai! C'est pas du jeu! C'est pas vrai, il passe à tous les coups! Pas question, j'ai réussi à la voir, je la garde. Allez, vas-y, va marquer, dépêche-toi. C'est pas, c'est de la triche. Allez, allez, qu'est-ce qu'il y a, t'es fatigué? Non. Joe, à toi. Joe. Ah, ils sont craqués. Quoi, où ça, ici? Ouais. Oh, désolé. Peut-être qu'on devra appeler une ambulance ou maman. Non, 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 c'est bon, il faut laisser maman tranquille. Ça, c'est ta faute. Allez, c'est la faute de personne. C'est lui qui a creusé ce foutu trou, quand même. Ce serait pas arrivé si t'avais regardé devant toi. Stop, arrêtez de vous disputer, c'est pas le moment. Ok, on va chez le docteur. Tiens, bon, ça va aller. C'était un début de vacances plutôt extraordinaire. Et ça ne faisait que commencer. Plus tard, Sam. Désolé, pardon, pardon. Joe, est-ce que tu crois que le dernier dinosaure a su qu'il ne restait plus que lui avant de mourir? Sam, va nous attendre dehors, ok? Madame? Madame? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mini touriste. Mon frère est en train de mourir de douleur. Vous savez quand ce sera son tour? C'est typiquement masculin, ça. Ils sont sûrs que la douleur peut tuer. Rassure-toi, il va s'en sortir. Une barquette de croquettes de poisson, s'il vous plaît, avec de la sauce ravigote. Vous savez qu'un cafard arrive à survivre sans sa tête pendant 8 ou 9 jours? Non. Mais il ne tient pas plus longtemps. Ensuite, il meurt de faim. Ah, bah, je le savais pas. Tiens, bon appétit. Fantastico!
Katja? Rien. Sprechen Sie Deutsch? Quoi? Est-ce que tu viens d'Allemagne? Non, j'habite ici, en Hollande. Est-ce que tu t'y connais en poisson zèbre? Ben, pas trop, non, mais... Je sais que les harengs font des proutes quand ils veulent communiquer entre eux. Ah ouais, et c'est quoi le rapport avec les poissons zèbres? Tu joues de la trompette? Non, juste du piano de temps en temps. Ouais, laisse tomber. 2, 3, 5, 6, 7. Tu peux t'en aller. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Non, attends. Tu sais danser la salsa? Non. Parfait. On apprendra ensemble alors. Sam, c'est comme ça que j'ai rencontré Tess. Les gens me trouvent souvent bizarre, mais cette fille, elle l'était 100 fois plus. Hola chicos y chicas, on vous a montré les pas de base, et maintenant, on va danser ensemble. Mais attention, très important, c'est le garçon qui dirige. Monsieur, allons-y, on passe le bras droit sous le bras gauche de madame. Mais c'est moi le garçon. Et muy bien, bon. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7, parfait. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. ¡Fantástico! Desde que se mueve tu cuerpo detrás de mí, estoy inseguro a tu lado, pero tu boca me indica sí, porque tú me quieres. Voilà. Alors, le roi de la salsa, ça va? Oh, salut papa. Viens, on retourne sur le continent. Ton frère a des radios à faire. Est-ce que Sam peut rester ici avec moi? Non. C'est très important que j'arrive à danser la salsa avant ce soir. Et si Sam part avec vous, il rentrera que demain. Et toi, tu veux rester? Papa. Une seconde. Ma mère travaille avec le docteur. Elle saura quoi faire s'il lui arrive quelque chose. Papa. Oui. Ok, tu connais le chemin de la maison? Oui. Bon, mais à plus tard, fiston. Qu'est-ce que tu vas faire? Acheter des fleurs. Salut. 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 Vous faites un petit tour en ville? Passe le bonjour à ta mère. Oui, oui. Super. Lui, Cécile. Il est amoureux de ma mère et souffre d'hypochondrie stratégique. C'est quoi ça? Un truc typiquement masculin. En tout cas, c'est une bonne excuse pour aller tous les jours chez le docteur juste pour voir ma mère. Ah, d'accord. Et ton père? Mon père est mort. Oh. Dans une éruption volcanique. Je l'ai pas connu, c'était avant ma naissance. Ici Tess de la Casa Gîte de vacances. Oui. Tchuss. Heureuse de t'avoir rencontré. Mais tu voulais pas acheter des fleurs? C'est bon. Les clés... Mais qu'est-ce que tu fais là? Il faut que j'aille accueillir des vacanciers. Ils arrivent maintenant. Et alors, je peux venir? Oui. D'accord, allez, viens. Oh. Thank you.
les oreillers sur le lit. Ich bin Tess, willkommen auf der Schöling. Les clés. Ich hoffe, dass Sie einen schönen Aufenthalt haben. Das Programm beinhaltet ein tolles Picknick und spannende Schnitzel. Tu sais, on peut parler dans ta langue. Ouais, et on la parle super bien en plus. Ouais. D'accord. C'est toi que j'ai eu au téléphone, non? Ici Tess de la Casa Gide de vacances. C'est dingue, je t'imaginais plus âgée. Puis-je avoir votre coupon gagnant? Oui, oui, bien sûr, tout de suite. C'est rigolo d'ailleurs, on a cru que c'était une blague, pas vrai? Ouais. Ça faisait pas du tout sérieux comme courrier. Ça Tiens. Faisait pas sérieux? Non. Non, et puis ça sortait de nulle part. Moi, c'est Elise. Et toi? Tess. Sam. Salut, Sam. Hugo. Sam. Hugo. Salut. Bienvenue sur l'île. Je l'ai vu et j'ai rien ressenti. Rien, pas un seul battement de cœur, rien du tout. C'est fou ça, tu trouves pas? Qu'est-ce que t'aurais dû ressentir? Quelque chose. Parce que tu accueilles des gens dans ton gîte? Oui, bien sûr. T'es pas quelqu'un de sensible, toi. C'est pour ça que t'étais bizarre? Hein? J'étais bizarre? Ben, un peu, oui. Tu crois qu'il m'a trouvé bizarre, alors? J'ai besoin d'être un peu seule un moment. Tess! Je pensais que Tess allait sûrement revenir. Mais elle n'est pas revenue. Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Coucou maman. Ah, te voilà. Eh, t'as pris un coup de soleil? Ça va mieux, ta migraine? Un peu, oui. Joe est tombé dans un trou tout à l'heure. Oui, je suis au courant. Papa me l'a dit. Mais c'est pas de ta faute. Il rentre demain avec le ferry. Il m'a aussi dit que tu t'es fait une copine ici. Parce qu'elle est chouette. Mais vous faites quoi? ?
Je ne comprenais pas pourquoi Tess était partie et m'avait laissée au milieu des dunes. Comme ça, tout seul. Qu'est-ce que je ressentirais quand je serai tout seul plus tard? Je suis le plus jeune. Alors, ils vont tous mourir avant moi. Il fallait que je m'entraîne à être seule. Salut, petit crabe. Entraînement à la solitude. Si je m'entraîne vraiment dur, ce sera sûrement moins affreux de me retrouver tout seul un jour. T'exagères. Ouais, je suis cloué dans ce fauteuil. Je peux rien faire, je peux pas jouer au football, ni nager, ni faire du vélo. Je vais crever d'ennui, c'est sûr. Si tu veux, je peux te dessiner un dinosaure sur ton plâtre. Non, à cause de toi, j'ai failli mourir ou être paralysé. Sois pas méchant. Vous savez ce qu'on peut faire, hein? Manger des croquettes de poisson. C'est une bonne idée. On peut en trouver près de chez le docteur, non? Moi, je voudrais des crêpes plutôt. T'es un bébé. Des crêpes? Pourtant, t'adores les croquettes, non? Ouais. Et le poisson, c'est bon pour la santé. Hein? Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? 5 portions de croquettes, s'il vous plaît. 5 portions de croquettes, parfait. Hé, hey, professeur Cafard. Bonjour. Professeur Cafard? Des petites ou des grandes portions? Des grandes. D'accord, des grandes. Ouais, pareil. Avec de la sauce ravigote. Avec de la sauce ravigote. Je vous prépare ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Fracture de la cheville en jouant au foot. Oh, mince.
C'est pas cool. Tiens ça, s'il te plaît. Comme ça, je peux payer. C'est super beau. L'argent voilà. Est là. Merci beaucoup. Merci à vous. Tiens, une serviette. Merci, maman. Et voilà votre monnaie. Tenez. Bon appétit. Hey. Parfait, merci beaucoup. C'est ta copine, on dirait. Le cabillaud est délicieux. Viens. Ouais, il est bien frit. Allez, on va dire bonjour, non. Viens. Non. Salut. On l'a retrouvé en entier. Merci d'avoir veillé sur lui. Papa, je suis pas un bébé. Eh tiens, c'est mon mini touriste préféré. Salut. Bonjour. On dirait que c'est du sérieux entre ces deux-là. Ah oui? Ouais. Et c'est le temps idéal pour un pique-nique. Un pique-nique? Maman, arrête. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, c'était une surprise, c'est ça? Oui. C'était une surprise. Mais c'est chouette. Hey, tu vas faire un tour avec ta copine? Uh-huh. On va faire un pique-nique. Waouh, t'es un as, toi. Tu me diras ton secret, hein? Allez, viens. Tu me donneras des cours, mercredi? Ouais. Ou jeudi, si ça t'arrange. On n'a qu'à dire vendredi. Ou alors samedi. Pas possible, je m'en vais samedi. Ah. Vamos. Tu passeras le bonjour à ta mère? Oui, oui. Amuse-toi bien. Merci, salut. Maintenant, je sais que c'est mieux d'avoir son propre vélo sur cette île. Hors de question de m'excuser. Ah bon? Pourquoi? Parce que selon ma mère, les femmes s'excusent trop souvent et ça, c'est nul. C'est comme si elles étaient toujours en faute. Hein? Oui, alors je m'excuse pas. Tu peux toujours courir. Et j'aurais jamais dû te faire ça. C'est des excuses ou non? Ou je reconnais que c'était pas très gentil de te laisser seule comme ça, dans les dunes. Est-ce que tu crois que tu peux le dire? Non, ça ressemble trop à des excuses. Tiens, Hugo et sa copine sont tout près d'ici. Et si on les invitait? Pourquoi? Salut, Tess. Vous voulez venir pique-niquer? Bah là, on allait à la plage. Oh, bonne idée. On n'a qu'à aller pique-niquer sur la plage. Qu'est-ce que t'en dis? En fait, on voulait aller sur la plage, rien que tous les deux. Ouais, désolé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ben si, il y a quelque chose. Non, je te dis qu'il n'y a rien. Le tout dernier dinosaure a eu peur juste avant de mourir, tu crois? Oui, c'est sûr. Mourir, c'est horrible. Mais peut-être que non, en fait. Si c'était le dernier dinosaure, c'est la solitude qui l'aurait tué de toute façon. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je me suis fait un entraînement à la solitude. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le plus jeune de la famille. Alors il faut que je sois prêt pour le jour où je serai le dernier à être encore en vie. Et c'est moi que tu trouves bizarre? Demain, il faudra que je reste 4 heures tout seul. Mais pourquoi tu t'entraînes la journée? Tu devrais le faire quand tu dors. Ou bien quand t'es aux toilettes. Mais non, ce serait trop facile. L'entraînement doit être dur, sinon ça sert à rien. Non, ne bois pas ça! Mais qu'est-ce que c'est? Du vin? Pourquoi t'as pris du vin? T'es sûr que ce pique-nique était pour moi? Mmh.
chanteur? Oui. Ouais. Ouais. Ok, est-ce que je suis beau gosse? Ouais, pas mal. Est-ce que je suis un chanteur des années 80? Non. Oh, tiens, Mr. Lover, Lover. Alors, c'était comment ce pique-nique? Tu l'as embrassé avec la langue? C'est dégueu, arrête. Bon, ouais. On a un truc à vous dire. On a eu une super idée, tous les deux. Vu que ton frère est dans le plâtre et qu'on va pas jouer aux devinettes toute la semaine, on a pensé que demain, on pourrait aller... Au bowling. Au bowling. Et je ferai comment pour jouer dans mon fauteuil? Je te pousserai, y a pas de problème. J'ai déjà un truc. Ah ouais, c'est quoi? Oh non, t'es lourd. Demain, on a prévu de se voir avec Tess. Elle n'a qu'à venir avec nous. Bah ouais, ce serait sympa, ouais. Tess déteste le bowling. C'est bon, largue-la. Tu viens quand même? Ouais, t'annules ton rendez-vous et tu viens avec nous. Non, je peux pas, j'ai promis. Bon, bah, on fera quelque chose ensemble une autre fois. Ok. Nous, on y va quand même. Ouais, bien sûr. Wow, je l'ai, j'ai trouvé le chanteur. Un type beau gosse. Joe Dassin, l'été indien. On ira. Pose d'autres questions. Tu veux la grandir. Non. Non. Non, mais ce qui est. Hey, tu peux pas faire ça. Oh, Justin Bieber. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Salut, mon grand. J'allais vivre un dur moment de solitude. Mais j'allais devoir tenir bon. Qu'est-ce que Tess faisait là? Elle était tombée amoureuse de Joe, bien sûr. Il a 3 ans de plus que moi et je suis beaucoup plus petit que lui. Yeah.
Alors, tu les as trouvés? Trouver quoi? Tes jumelles, enfin! Qu'est-ce que tu racontes? On peut toujours aller voir dans ta chambre. Allez, viens. Mais... Faites pas de tâches, les amoureux. Joe, s'il te plaît. Je peux savoir ce que t'as raconté à mes parents? Ben rien, rassure-toi. Je leur ai pas dit que tu traînais tout seul dans l'île pour ton entraînement à la solitude. Et pourquoi tu leur as dit que je détestais le bowling? J'adore jouer au bowling. Et toi, pourquoi t'es venue ici? Je suis venue te voir. J'ai organisé un grand quiz. Et il y a une place pour toi dans le jeu. Ok. Voilà, il y aura deux équipes. Toi, tu seras avec Élise, et moi avec Hugo. Il y aura plusieurs épreuves. Ça commence. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi Tess était si bizarre. C'est parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Il faudra bien suivre une carte, et les gagnants auront une surprise. C'est chouette, non? J'ai pas envie de jouer à ton jeu. Je suis pas idiot. Et au passage, je te signale qu'il est beaucoup trop vieux pour toi et qu'il a déjà une copine. Quoi? Et ton jeu débile, moi j'en ai rien à cirer. Mais j'ai besoin de ton aide. Ouais, mais je suis pas ton esclave. Alors t'as qu'à aller demander à ton Hugo si tu veux de l'aide. Sam, Hugo est mon père. Là-haut. Ok. Tu déjeunes avec nous? Oui. Alors comme ça, ton père n'est pas mort dans une éruption volcanique? Non. Et il s'est pas noyé dans l'Amazone, ni été mangé par un requin. Et oui, quand on sait pas où est son père, on est bien obligé d'inventer des histoires. Regarde. Buenos Aires. C'est le carnet de voyage de ma mère. C'est là qu'elle a rencontré mon père. Ils ont voyagé pendant un mois à travers toute l'Argentine. C'est ici que Hugo voudrait vivre pour toujours? Oui. C'est parce qu'il y a juste un prénom que j'ai eu le droit de regarder ce carnet. Sauf que j'ai trouvé quelque chose. Une simple facture au premier coup d'œil. Mais si on fait attention, c'est plus que ça. Hugo Faber. Et 9 mois après, je suis née. Que je te dise, ma mère ne sait pas qu'Hugo est ici, alors pas un mot, d'accord? Tiens.
Alors, c'est bon? Mm-hmm. Oui. Vous ferez la vaisselle tous les deux, j'ai un truc important à faire. Vous avez rendez-vous avec Syl? Quoi? J'ai pas du tout rendez-vous avec Syl. Non, aujourd'hui, il faut que j'aille aérer le gîte de vacances. Il est loué à partir de samedi. C'est un peu tôt, il te reste 4 jours. Ouais, mais autant le faire aujourd'hui, non? Il n'y a encore personne et puis ça doit sentir le renfermer. On peut le faire, taisez-moi. Ouais. C'est très gentil, mais je préfère le faire moi-même. Mais je voulais montrer le gîte à Sam. Ouais. S'il te plaît. Bon, si vous voulez. Mais malgré tout, vous ferez la vaisselle tous les deux, d'accord? Ouais, d'accord. Ta mère t'a jamais dit qui était ton père? Elle m'a toujours dit que j'avais pas besoin d'un père. Je l'ai cru longtemps. Et puis j'ai eu des doutes. Et si moi j'avais envie d'avoir un père? Enfin bon. De toute façon, une fois que j'ai trouvé son nom, dans le carnet de voyage, il a fallu que je retrouve sa trace. Et ça t'a pris combien de temps pour le retrouver? Un petit quart d'heure. Seulement un quart d'heure? Ouais. Facile avec Facebook. Et après? Après, j'ai tout su sur lui. Il vit à Berlin avec sa copine Élise. Il aime voyager très loin. Il a fait un stage d'ébénisterie et il joue de la trompette. Et il sait danser la salsa? Exact, j'avais oublié ça. Alors, je l'ai attiré dans notre gîte de vacances avec une lettre qui disait qu'il avait gagné un séjour de 5 nuits sur l'île. Pourquoi tu lui as pas juste dit qui t'étais? Bah, t'imagines si c'est un type horrible? Et que j'ai pas du tout envie de le revoir. Il faut que je sois prudente, tu comprends? Il sera trop tard pour reculer quand il aura appris qui je suis. Mais il me reste que 3 jours pour apprendre à le connaître. Et c'est pour ça que demain j'ai besoin de toi. Demain je peux pas, désolée. Je dois m'entraîner à rester seule. Et puis, c'est peut-être mieux que t'apprennes pas à connaître ton père. Ça te fera un enterrement en moins quand tu seras adulte. Hugo, forcément, tu t'attacheras à lui et un jour, il va mourir. T'es sérieux? Désolée de te le dire, mais t'es complètement cinglée. Avec ton entraînement et tout. Ton enterrement à toi, j'y viendrai. Avant moi, il y a peu de risques. Les femmes vivent plus longtemps. Nécessité fait loi, comme dit l'expression.
mon entraînement à la solitude allait devoir attendre un jour de plus. Ça se trouve, ils sont pas au gîte. Et leur voiture est là? C'est important, ouvrez! Peut-être qu'ils sont en train de... T'es dégueu. Qu'est-ce qu'il y a? Guten Morgen, on est sorti. Was? On est venu vous chercher pour le grand quiz. Désolé, mais c'est pas le bon moment. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? On est venu vous chercher pour faire un grand quiz. Ah! Là, non, désolé. Ça ira si on dit dans une heure? Ouais, c'est bon? Sehr gut. Super. Fantastico! Sinestre, caballero! Merci. Tenez. Merci. Oui. Voilà. Bonne chance. Moi aussi. Bonne chance. Ouh! Ouais. T'es eu. Bon, on commence par une question musique. Oh. Comment surnommait-on le jazzman Charlie Parker? Bird. C'est juste. Quelle est l'espèce de poisson exotique dont les mâles ne peuvent pas cohabiter dans le même aquarium? Tess? Le combattant. Et son nom latin, c'est Beta Splendens. Waouh, c'est ça. Bravo, Tess. Musique. Oula. Dans quel pays se trouve Gucha, célèbre pour son festival de trompettes? Au Portugal. En Serbie. C'est juste. Ce coup-ci. Alors, au pied du gros arbre pétrifié... C'est celui-là. Ah, vous trouverez deux bûches et quelques outils. Chaque équipe disposera de 15 minutes pour réaliser une création. Les œuvres seront jugées par un touriste de passage qui désignera les vainqueurs. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Oui. Top départ. Bon, arrête, qu'est-ce qu'on va fabriquer? Une tortue. On scie la bûche en deux. Ouais. Ça pour la carapace, ça pour la tête et les pattes. Bon, ok. Bah dis donc, ça risque de prendre du temps. Oui. Tiens-la bien pour qu'elle bouge pas. Oui, parfait. Avec ta main. Vas-y, Sam. Vas-y. Voilà. Remets ta main. Appuie. Appuie à fond. Relâche pas. Faut qu'on file chez le médecin. C'est par là. Je prends mon sac. Tess, allez, dépêche. On peut pas galer. Mais si, viens, faut qu'il voit le docteur. Allez, Tess. Il y a ma mère qui travaille chez le docteur. Dépêchez-vous. Allez-y, j'arrive. Donne-moi ton téléphone. Pourquoi faire? Donne-moi ton téléphone. Allez, vite! Maintenant, tu vas chez toi et t'y restes. Quoi? Mais pourquoi tu veux que j'aille? Allez, rentre chez toi, grouille! Oui, mon cœur. C'est Sam à l'appareil. Qui ça? Votre mini-touriste préféré. Il faut que vous alliez chez vous maintenant. Mais je suis à mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec Tess. Quoi? Quel problème? Un problème grave. Ok, passe-la-moi au téléphone alors. C'est impossible.
Sam, dis-moi ce qui se passe. Tess est... enceinte. Et elle s'est enfermée à clé dans la salle de bain et elle veut plus me parler. Et du coup, je... Allô ? Quelqu'un ? Elle vient de partir, mais je ne sais pas pourquoi. Madame Van Kesteren. Voyez ce jeune homme d'abord. Oh, oui, en effet, venez. Vous êtes sûre ? Oui, absolument. Merci. Oui, merci. Merci, madame. Installez-vous. Madame ? Oui ? Est-ce qu'il va survivre ? Ah, mais oui, t'en fais pas pour lui. Salut. Elle n'est pas à son travail. Ah, ah. Et tu crois qu'elle... Je crois que vous devriez la laisser tranquille. Et merde. Ça alors, on s'est déjà croisé, non? Ta tête me dit quelque chose. Tu sais, le gars qui mange ici, qui s'en va tôt le matin. Ah, oh, c'est qui déjà? Mon fiston. Dis, je t'ai à peine reconnu. Où est maman? Migraine. J'ai la dalle, on mange quand? Oh, vous savez quoi? Vous allez vous acheter des frites au village. Uniquement des frites. Pas de boulettes ou bien des croquettes ou des fricadelles ou d'autres cochonneries. Ok? Mm-hmm. Ouais, d'accord. Hé, hey, oh, dégage! Touche mon fauteuil encore une fois et je t'en mets une. Je suis désolée. Vacances de merde, cheville de merde, tout est nul de chez nul. C'est juste parce que tu le vois comme ça. Bon, et alors? Elle embrasse bien? Non, attends. Tu l'as pas encore embrassée? Non. T'es grave. Un vrai mec doit prendre les choses en main. Les femmes aiment les hommes directs. T'étais pas au courant? C'est à qui? C'est à nous. Je vous écoute. Trois frites mayonnaise, un hot dog, une croquette... et une portion de nuggets. Ok, ce sera tout. Tu veux quelque chose? Je veux bien un tacos. Ça fera 16,40€. Voilà. Merci, jeune homme. 3,60€. Merci. De rien. C'est à qui? De croquettes, s'il vous plaît. Tu dis rien. Hé, hey, professeur Cafard. Salut. 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 Tu vas bien, toi? Ça va, oui. Demain, tu viens à la braderie? La braderie? Oui, avec des trucs à manger, des groupes de musique, la fête, quoi. Ça a l'air cool, non? Une frite pour la demoiselle. Oui. Je pense que, je passerai y faire un tour. Tu restes combien de temps ici? Encore 3 jours. Voilà. Ok, alors il faut profiter de ces 3 jours. Et peut-être à demain. Attention, c'est chaud. Oui, peut-être à demain. Ok, salut. Salut. Je ne peux plus avoir de monnaie, moi, si tout le monde donne des billets de 50. Quoi? Un vrai mec doit prendre les choses en main. Les femmes aiment les hommes directs. Va te faire voir. T'es amoureux d'elle, hein? Mais non.
Joe est amoureux, Joe est amoureux, Joe est amoureux. Dis, je t'ai pas encore demandé pardon pour ta cheville et pour le trou. T'inquiète, c'est bon. Les garçons, regardez ce que j'ai trouvé. Oh non. C'est un peu en Barcelone. Papa, s'il te plaît. Oh fuego, oh fuego, la mar. Papa, s'il te plaît, arrête. Oh mon ami, la mia. Oh, oh, oh. Papa. Oh, olé, 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 la noche, à la noche, cerveza, fuego, el fuego, libérina. C'est bon, stop. Je me demandais ce que ça me ferait, si je connaissais pas mon père, comme Tess. Et que je le voyais aujourd'hui pour la première fois de ma vie. Qu'est-ce que je ressentirais? La fuego, la fuego. Papa, non mais sérieusement, ça c'est pas possible. Vous me rendez dingue. J'espère que maman ira mieux demain matin et qu'on fera une chouette sortie tous les quatre. Ok? Mais... Non, il n'y a pas de mais. Tu nous accompagnes. Tout mon programme d'entraînement tombait à l'eau. Et surtout, j'avais envie de revoir Tess. Je voulais savoir comment elle allait. Voilà, c'est ça. Ah, excellent. Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Comment tu vas? Eh ben, pour moi, je suis plus enceinte. Tiens. Ah oui. Hugo et Elise sont dans le coin. Et ils sont pas fâchés du tout. Je crois que je vais lui dire. Ouais? Oui. Mais je le ferai pas sans toi. C'est combien, ça? 2 euros? Ouais, c'est une bonne affaire. Allez, viens. On va danser comme des petits fous là-dessus. Non, je vais continuer à dire crêpe. Oh, ça serait trop facile. J'ai hyper du fort. Mais tu te fous pas de moi, hein? Mon Fortios. Non, c'est pas Fortios. Non, dit. C'est pas Fortios. Salut, bah, c'est encore moi. Hé, hey. Hey, salut Sam. Eh ben, venez avec nous, asseyez-vous. Allez-y. Hein? Allez, assieds-toi. Tenez, ouais. Des Fortios. Oh. Regarde Sam, t'as vu? Là, c'est rien stylé, du tout. Hein, le bandage. Ouais. Il est cool, hein? Vous vous amusez bien tous les deux? Mmh. Ouais. Nous aussi, mais demain c'est fini. On repart. Et ouais. Vous buvez quoi? Sam? Je veux bien un jus de raisin. Raisin? Et toi, Tess? Non, moi rien. Non? Non. Ok. Ça ira? Non, ouais, c'est bon. C'est de la bonne musique, non? Mmh. Mmh. Hugo? Oui. Bon, tu vois, il y a environ 12 ans. Ça va pas, non? Il y a environ 12 ans. Je suis tellement heureux de ne pas avoir fait d'enfant.
t'avais raison. Vaut mieux que je cherche pas à le connaître. Mais il a pas dit ça sérieusement. Même, j'ai pas besoin de lui. C'est ton père. Non, c'est juste un mec qui à un moment s'est retrouvé dans le même lit que ma mère. Il faut quand même que tu lui dises, sinon ce serait injuste. Si tu lui dis pas qui tu es, c'est moi qui lui dirai. Si t'oses faire ça, je te promets que je te tue. Et je viendrai pas à ton enterrement. Adieu, Sam. Tess! Sam! Nom de Dieu! Viens immédiatement! Toute cette semaine, on t'a laissé libre de te balader où tu voulais. À condition que tu nous préviennes pour pas qu'on s'inquiète. Allô? Maman te parle. J'étais avec Tess. Comment on peut le deviner, nous? Ce qui était prévu, c'est qu'on reste tous les quatre. C'est rien. Demain, tu passes toute la journée avec nous. Mais demain, c'est le dernier jour des vacances. Oui, justement. On est d'accord? Samuel, regarde-moi. On est bien d'accord? Oui, ok. Tess ne voulait pas de Hugo comme père, ni de moi comme ami. C'est la vie. Et c'est pour ça que c'est mieux de ne pas trop s'attacher aux gens. Thank you.
ça n'allait pas se passer comme prévu. Je n'allais pas être le dernier à rester en vie, mais le premier à mourir. Merci. J'en ai ramassé des choses sur cette plage, mais c'est... C'est la première fois que je trouve un petit garçon. Personne ne t'a jamais dit que ça pouvait être dangereux quand la marée monte? Non. Tu l'aspires comme ça. C'est votre femme? Ouais. Elle vit toujours? Personne n'y peut rien. C'est comme ça, la vie. Et rester seul, c'est dur ou bien on s'y habitue? Elle me manque toujours, à chaque instant. Mais j'ai plein de beaux souvenirs avec elle. Aujourd'hui, ma vie se passe dans cette vieille caboche. Et là, elle est encore plus vivante que jamais. Je chéris chaque moment qu'on a passé ensemble. Et j'aurais tant voulu en vivre bien plus encore. Certaines personnes amassent de l'argent. D'autres les timbres-poste pour leur collection. Et on dit qu'il y en a même qui collectionne les surprises des œufs Kinder. Mais ce sont les bons souvenirs que tu dois collectionner. Les bons moments partagés avec ceux que t'aimes. Avant qu'il ne soit trop tard. Collectionner les souvenirs? Oui. Tess avait raté 11 années de souvenirs. C'est-à-dire environ 5752 jours. Thank you.
Vous pouvez pas partir comme ça. Mais Sam, on a un bateau à prendre. Il faut que je vous dise quelque chose. Ah bon, c'est quoi? Sam. Sam, enfin si tu restes là, on va rater le bateau. Allez, bouge, s'il te plaît. Il faut que tu nous laisses passer. Allez, mon grand. Tess est ta fille. Quoi? Elle est bonne, celle-là. T'entends ça? C'est elle qui te l'a dit? C'est n'importe quoi. Tess a beaucoup d'imagination. Tu le sais bien, non? Désolé, Sam, mais j'ai pas d'enfant, je te le garantis. Je suis désolé. C'est bien toi qui as voyagé à travers toute l'Argentine il y a 12 ans. Avec Ida, la mère de Tess. Et 9 mois plus tard... 9 mois plus tard, elle est née. Ida... Oh. Tess voulait tout te dire hier. Mais tu lui as dit que t'étais bien content de ne pas avoir fait d'enfant. Oh. Tess ne sait pas que je t'ai parlé. Alors, si tu veux, tu peux encore t'en aller. Et faire comme si je t'avais rien dit. Sam. Hmm? Viens avec nous. Et montre-nous le chemin. Quelque chose. Tess. Salut. Quand tu voudras, et on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera par
Samuel De Jong. C'est quoi ça? Hey. Hey. Je suis tellement content que tu sois là, papa. À vrai dire, je suis content d'être là aussi. Et plus encore que tu sois là. À notre dernier dîner ici. Ouais. À la dernière soirée de nos vacances. Mmh. Et ce sera quoi, votre meilleur souvenir de ce séjour? Quand tu t'es rétamé au bowling. C'est à cause de leurs chaussures à la noix. Ça va, chérie? Oui. Hé, hey, c'est un numéro de téléphone qu'il y a sur ton plâtre? Un petit souvenir d'ici. Un souvenir. Souvenir. Ah. Et de qui? C'est chez nous? On dirait bien. Ton beurre. Tu me passes la salade de concombre? Mmh. Je veux les fèves en échange. Ouais. Ça? C'est pour toi. C'est toi? Est-ce que t'es venu pour me tuer? Je te demande pardon, j'aurais jamais dû faire ça. C'était bête, je le sais bien, mais... je trouvais ça tellement injuste. Alors j'ai... mais j'aurais Sam. Mieux fait de... Il a dit oui. Hein? Il veut bien être mon père. Ah oui? Oui. Je suis venue tous vous inviter. Nous tous? Oui, toute ta famille. Hugo et moi, on a organisé une fête, ce soir. On vient tous vous chercher ici. Ok. À tout à l'heure. Ile, réveillez-vous. Ile. Bonjour, Sam. Je me demandais si ça vous plairait d'ajouter un souvenir à votre collection. Hein? Comment ça? On fait une fête. Ça vous dit de venir? Une fête? Oui, ça me dit bien. D'accord. Et hop là! Les gars, lui c'est Il. Bonjour. Bonjour. Fermez le haillon. Et accrochez-vous. Et tu pourrais un peu nous expliquer le pourquoi du comment? Du quoi? Bah comment ça se fait qu'Hugo était pas au courant? T'as du temps devant toi? Ouais. Hugo ne savait pas que vous étiez en pilon de poulet? Oh! Servez-vous? Ah, ils ont l'air délicieux. Non, non, j'ai pas très faim. Pilon de poulet? Merci, je vais bien. Ouais. Merci. Bon alors? Oh! C'est la fille qui vend des croquettes? Dégage!
Je crois que ça a été la semaine la plus folle de toute ma vie. Et la plus belle. Je n'ai plus besoin de m'entraîner à la solitude. J'ai juste envie d'être avec les autres et de rassembler le plus de souvenirs possible. Il y a ceux que je me suis déjà fait. Et il y en a plein, plein d'autres à venir. Perturbación.